On va parler aux nostalgiques, les nostalgiques des années 60 par exemple. Ils peuvent aller voir votre pièce Bungalow 21 au Théâtre de la Madeleine où vous jouez Marilyn Monroe. On revit un moment très précis de sa vie. Quand elle tourne Le Milliardaire avec Yves Montand, d'ailleurs qui réside dans une chambre à côté d'elle avec Simone Signoret. Il y a donc les deux couples, d'un côté Yves Montand et Simone Signoret, de l'autre Marilyn Monroe avec Arthur Miller. Ils se voient souvent, ils s'entendent bien. Trop bien, peut-être. Ouais. On avait jusqu'ici des photos où on les voyait dîner à quatre, des photos qui sont mythiques. Grâce à vous, on plonge dans ces photos. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un triangle amoureux ou un carré amoureux? Au début, c'est un carré amoureux. Assez vite, dans la pièce, Arthur Miller quitte Marilyn et part à Dublin. Donc, il se retrouve à trois. Donc là, c'est un triangle. Après, Simone gagne l'Oscar. Elle part faire un film en Italie. Ils se retrouvent tous les deux. Il se passe ce qui s'est passé. Et puis, une liaison amoureuse. Voilà. Et puis, donc, la pièce parle de ça, de toute cette histoire. Vous êtes fascinée par cette histoire depuis un moment. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais on sait qu'il y a 9 ans, vous avez dormi dans cette chambre, dans le bungalow 21. Moi, j'ai toujours été fascinée par Marilyn Monroe parce que c'est une actrice qui me touche beaucoup, de par sa vie, sa fragilité. Qu'est-ce qu'il y a de Marilyn en vous, d'ailleurs? Je ne sais pas. C'est pas trop à moi de le dire, mais... Mais quand vous dites que vous êtes allée dans cette chambre, pourquoi vous vouliez aller dans... Non, je suis pas allée dans cette chambre. Dans le bungalow, oui, j'ai dormi dans cette chambre, mais c'était un hasard. C'est-à-dire que j'étais dans une chambre, dans cet hôtel que je trouvais trop petite. Et donc, j'ai demandé à être surclassée. Et un jour, pour me faire une surprise, ils m'ont dit, on vous a mis dans le bungalow de Marilyn Monroe. Et en fait, j'ai pas dormi de la nuit. Parce que c'était tellement puissant que j'ai redemandé le lendemain de retourner dans ma chambre. Vous vous emparez d'elle. Vous vous emparez de sa gestuelle, de sa sensualité, sa façon si particulière de se mouvoir. Pour bien se rendre compte du défi immense que vous vous êtes lancé, on va revivre une scène, une séquence, quand elle souhaite Happy Birthday au président Kennedy. C'était 2 ans plus tard, en 62. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. On voit toute l'attraction qu'elle exerce sur tout le monde. Je suis persuadée que même les chaises étaient émues à ce moment-là. Comment vous faites pour être sensuelle sans être vulgaire? Parce que c'était ça, Marilyn. Quelle question. Je pense qu'en fait, ce qu'elle avait, c'était vraiment un côté très enfantin et qu'elle n'essayait pas justement d'être sexy. Elle l'était tout simplement. Et moi, je me laisse un peu faire, quoi. J'essaye pas trop, après je sais pas si ça marche. Quand Simone Signoret apprend qu'il y a une liaison entre son mari et Marilyn Monroe, ce qui la blesse le plus, c'est l'humiliation publique, parce que c'est en une de tous les journaux. Ce qui est normal, ce qui est normal. C'est vrai que l'adultère, ça a toujours existé, mais c'est vrai que quand tout le monde est au courant, c'est assez affreux, quoi. Donc oui, bien sûr, c'est ça. Et elle n'en veut pas à Marilyn, on l'écoute. Vous dites par exemple, elle n'aura jamais rien su de mon chagrin ce soir 12-62. Elle n'aura jamais su combien je ne l'ai jamais détesté. Oui. C'est bellement écrit. C'est quelqu'un à propos de qui j'ai toujours refusé de donner justement des interviews parce que je n'avais aucune confiance dans l'usage qu'on en ferait. Et tout ce que je dis et tout ce que je raconte est absolument vrai, sincère et... Et puis au moins, comme ça, on ne posera plus jamais de questions. Elles étaient amies, il n'y avait pas de rivalité. Mais elle a la classe, Simone Signoret. Ouais. On se demande même si elle n'a pas mieux compris ce que Montand. Si Signoret n'a pas mieux compris qui était Monroe, alors que Montand, quand il en parle comme d'une créature au regard d'enfant. Montand, il a juste une affaire sexuelle avec elle, mais je pense qu'il était Et même Arthur Miller, il dit, Marilyn, c'est un corps qui pardonne d'être un homme dans la pièce. Oui. Mais vous pensez que c'était ça? C'est vraiment un corps qui nous attirait, qui nous effrayait? Oui, moi je pense que c'était plus que ça. C'était bien sûr un corps, mais c'était une âme aussi. Elle avait une âme très pure, très enfantine, très belle. Et je pense qu'elle était très blessée. Elle avait une enfance qui l'avait beaucoup fragilisée. Et c'est ça qui est beau chez elle. C'est pas que le corps, bien sûr. Oui, mais dans la pièce, et c'est sans doute en effet un reflet de la réalité, il y a ce rôle de Montand. Et Montand, il est présenté comme extrêmement faible, en gros victime de son désir, cette chair. Il l'avait dit comme et ça. Et en effet, c'était ça qu'il vivait. Il a beaucoup de mauvaise foi. C'est une image des rapports homme-femme
qui n'est pas exactement celle qu'on veut avoir aujourd'hui. Absolument. Est-ce qu'on doit aujourd'hui juger cette espèce de faiblesse de la chair masculine, ou alors est-ce qu'il faut l'accepter? Est-ce que vous pensez que ça fait partie des hommes? Vous le voyez comment? Moi, je pense que ça fait partie des hommes. Je pense que c'est bien que ça change, que ça évolue. Mais c'est vrai que c'était une époque où les hommes étaient différents, quoi. Donc, c'est très difficile de juger ça aujourd'hui, en fait. Mais c'est vrai que dans la pièce, on se rend compte qu'il a quand même beaucoup blessé ces deux femmes. Mmh. Ouais. Tout à l'heure, Victor, vous demandez ce que vous aviez de Marilyn. Vous n'avez pas vraiment répondu. On va tenter de savoir, puisqu'on va vous poser des questions qui étaient posées en interview à Marilyn Monroe. On va vous les poser à tous les deux. Si ça vous va. Quelle est la de vous plus, Marilyn? Oui, on essaie de savoir. On a l'impression que vous êtes plus ignoré. Si vous avez une majorité de A. Même si on dit que vous êtes plus ignoré que Monroe, vous. Ah, d'accord. Que portez-vous la nuit pour dormir? Ah. Ça, je peux faire la même réponse que Marilyn. Alors, Attends, une goutte de Chanel numéro 5, ce à quoi Valérie Lemercier a ajouté un jour, et une goutte de pipi. Non, mon Dieu. Et vous, Emmanuel? Un pyjama avec moi, une goutte de pipi. Ou je suis nue, ou un t-shirt. Ouais, donc pas loin de Marilyn. Êtes-vous en général de bonne humeur? Oui. Aussi. Ouais. Non, c'est vrai. Ça met du temps à venir. Non, c'est sûr. Et puis je trouve que même, je sais pas, mais j'aime bien. C'est une politesse pour moi, la bonne humeur. Comme dire, politesse. Ouais. Elle répondait qu'elle était en général misérable, qu'elle était plutôt de mauvaise. Elle était beaucoup plus d'ailleurs cyclotimique que moi. Oui. Que vous? Oui. Mais vous l'êtes un peu, c'est ce que vous sous-entendez? Non, je le joue dans la pièce. Je le suis pas, non. Vous-même, vous dites, je crois qu'il y a quelque chose de suicidaire dans la célébrité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Je pense que la célébrité, c'est un fardeau, quoi. Surtout aujourd'hui. Je pense que, franchement, pour vouloir être célèbre aujourd'hui, il faut être un peu malade mental, quoi. Parce que c'est terrible. Pourquoi plus aujourd'hui qu'hier? Parce que c'est plus dur aujourd'hui, il y a plus de médias, il y a plus de... à cause de vous. Non, plus de réseaux, plus de tout ça, tout le monde est critiqué tout le temps. Et c'était toujours dur, mais d'ailleurs elle le dit, Marilyn, dans la pièce.